Salut tout le monde, c'est Bourreau 13. Je fais une petite vidéo parce que nous sommes le 21 novembre 2012 et hier, le nouveau système de combat est sorti. Donc la bêta s'est officialisée et le nouveau système de combat s'est mis en place. Donc je fais une petite vidéo, une petite vidéo pour vous montrer comment ça marche. Tous les changements. Donc vous pouvez voir dès à présent la manière de bouger du personnage qui n'est pas la même. Vous voyez la position de mon personnage. Vous pouvez voir aussi la barre d'attaque sur qui se situe en haut du chat, la chatbox, ainsi que la barre d'adrénaline qui se situe en haut de la barre d'action. Donc moi j'ai mis mes actions. Donc je vais me pousser parce que là. Voilà. Donc moi j'ai déjà mis certaines compétences. Donc vous pouvez voir là qu'il y a des petites flèches. En fait parce que vous avez plusieurs barres. Donc vous en faites une pour le combat avec une arme à deux mains, une pour le combat avec une arme simple. Une pour le combat pour le tank, une pour la magie, une pour le combat à distance, etc. etc. Donc voilà, moi je me positionne celle-là. La 1, j'ai mis arme avec deux armes. Deux armes déjà, c'est nouveau. Voilà, on peut voir qu'on peut prendre deux armes dans les mains. Donc une dans chaque main. Donc le prix des armes chaotiques ont été divisés par deux. Donc on peut voir qu'elle est marquée seconde, donc seconde de main. J'ai aussi l'anneau de vigueur qui est super utile puisqu'il vous permet, je crois que c'est la barre d'adrénaline baisse 10% moins vite ou un truc du genre. Enfin ouais, ça économise 10%, enfin c'est un truc super sur l'adrénaline. Donc c'est nouveau, donc vraiment j'ai pas encore eu le temps de tout étudier. Donc je voulais vous montrer ça un petit peu, voir comment ça se passait. Donc voilà, j'ai pris un équipement un petit peu aléatoire. Donc vous pouvez voir quand je vais dans l'onglet combat, déjà je n'ai plus le style d'attaque que j'avais auparavant. Vous pouvez voir l'ancien style d'attaque qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, ici ça sert à rien, c'est juste pour voir votre adversaire ainsi que vous et votre level. Donc les levels, là je suis level 200, donc c'est le nouveau level maximum. Donc auto-combat on, auto-combat off, comme d'habitude. Donc là c'est pour les XP, donc ce qu'on veut XP, donc attaque, force, défense, attaque, force. Moi je vais mettre en force, voilà. Si vous faire de la magie ou du combat à distance. Voilà. Donc ça voilà, c'est les styles d'attaque. Maintenant on va passer au livre des sorts, donc livre des capacités maintenant ça s'appelle. Vous pouvez voir 4 onglets. Voilà. Le premier onglet est l'onglet de mêlée, comme vous l'avez pu remarquer, comme vous avez pu le voir. Donc dans cet onglet, il se divise en deux onglets, donc l'épée et le poing. Donc dans l'épée, vous pouvez voir certaines capacités, certaines attaques, en surbrillance ou pas, suivant les prérequis. Donc par exemple, celles-là elles sont en surbrillance parce que j'ai deux épées dans les mains. Je peux les faire et celles qui sont pas en surbrillance, ben c'est tout simplement parce que je n'ai pas les prérequis. Donc soit il me faut de l'adrénaline, soit il me faut un bouclier dans les mains. Par exemple là je passe avec un bouclier dans les mains. Vous pouvez voir que certaines compétences se sont allumées. Là je les ai mis là les compétences. Donc si par exemple je prends une masse chaotique, je passe à l'onglet 2, pardon, je fais l'onglet 5. L'onglet 2 c'est pour les armes à deux mains, donc vous voyez, tout est en surbrillance. Si je repasse avec mes deux armes, tout n'est plus en surbrillance. Donc voilà, ça fait partie des petits points à savoir. Vous avez juste à passer votre souris sur les actions pour voir les prérequis. Donc moi personnellement, j'ai mis à gauche les compétences qui se rechargent le plus vite et à droite les attaques spéciales, on va dire. Donc j'ai après bon c'est pareil pour toutes les compétences
combat à distance. Voilà, donc je peux même faire ça. Ça n'utilise aucune capacité et hop, ça me permet de me dégager rapidement. Donc voilà. Pareil pour la magie. Donc la magie, c'est un peu plus compliqué. Ça se divise en 4 onglets. Le premier onglet, c'est tous les sorts basiques utilitaires. Donc pour cracher du feu, par exemple, pour vite partir, etc. etc. Ensuite, il y a l'onglet pour les sorts dits normaux. Donc cela, il vous faudra des runes. Donc c'est les sorts classiques. Le troisième, c'est pour tout ce qui est téléportation. Et le quatrième, c'est tout ce qui est alchimie X, enchantement d'amulettes, etc. 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 Le quatrième onglet et le dernier, il se divise en deux sous-parties. Donc le bouclier, tout ce qui est défense. Et le cœur, donc tout ce qui est point de vie. Donc dans le premier, vous pouvez avoir tout ce qui est de la défense, donc invulnérabilité pendant 10 secondes, ou encore une aura protectrice, ou alors vous pouvez cibler l'adversaire, etc. etc. Dans le deuxième onglet de ce même onglet, vous avez donc le cœur. Là par contre, vous pouvez vous régénérer les points de vie, donc par exemple restauration. En gros, ça utilise votre barre d'adrénaline pour vous healer. Donc voilà. Donc je vais faire une petite, un petit combat. Donc moi j'ai mis des raccourcis. Donc vous avez juste à faire glisser votre barre. Donc d'abord vous la déverrouillez. Vous faites glisser vos sorts à l'intérieur et vous l'avez reverrouillé. Si vous êtes trompé, vous avez juste à mettre votre sort à la poubelle, qui est là. Et voilà. Donc moi personnellement j'ai fait clic droit configurer la touche et j'ai touché une touche. Du coup, si vous voulez, quand j'appuie sur A, ça me fait l'attaque celle-là. Donc A, Z, E, R, Q, S, D, etc. etc. Donc j'attaque ça. J'attaque en mêlée, donc je sors mon arme normale. Et vous pouvez voir que j'attaque. Donc pour l'instant, c'est tout nouveau, donc j'ai pas encore vraiment l'habitude, hein. C'est vraiment pour tester. Donc voilà. C'est tout simple, j'ai juste à bouger. Vous voyez que ma barre d'adrénaline monte. Donc là, je vais attaquer. Donc, pour voir le tourbillon, là, je viens de faire du 1266. Et je continue à attaquer. Donc là, j'ai pris ma masse chaotique. Vous voyez les dégâts que ça fait quand même. C'est, je trouve que ça anime bien le combat, disons. Donc je vais montrer ma barre. J'ai monté, pardon, ma barre d'adrénaline au maximum, histoire de vous montrer ma spéciale. Donc, la spéciale, c'est météorite, je crois qu'elle s'appelle. Donc voilà, donc on va monter tout ça. Donc voilà, météorite, c'est ça. Ah oui, donc il faut par contre, pour l'utiliser, il faut qu'il ait moins de. Il ait plus de 50% de sa barre de vie. Donc je vais le buter. Et on va le faire sur lui. Ah oh, putain, je l'ai one shot. Enfin, je l'ai mis à life direct. Pour cibler un adversaire, vous avez juste à cliquer là-dessus et ça. Et là, j'arrive. Et boum, 32 000. Voilà. Donc ça fait, en fait, c'est en gros, ça remplace l'attaque spéciale que vous avez pu voir dans l'ancien système de combat. Donc voilà. Vous pouvez mettre un petit moins quand vous n'êtes pas en combat. Donc votre arme se range et vous pouvez chatter normalement. Donc en gros, si vous appuyez sur A, ça va pas faire l'attaque spéciale. Si je relève, vous voyez, si j'appuie sur je tape, ça marque pas dans le chat, faut appuyer sur entrée. Mais je vous le déconseille parce qu'après ça c'est un petit peu le bordel. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Ah oui, les prières ont été changées, donc vous pouvez voir qu'il y a des nouvelles prières. Là je suis sur les prières basiques, donc ça se voit pas trop. Mais en gros il y a Turmoil. Et passer en magie et en range aussi. Également, votre armure influence votre nombre de points de vie. Donc, vous voyez là, j'ai 6720 points de vie. Si je prends du Torva, j'aurai beaucoup plus. Donc, voilà. Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Donc, voilà, c'est moi je trouve que ça anime le combat, ça anime bien le combat. Je trouve ça marrant.
Donc voilà, je vous ai donné quelques petites astuces à faire. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses sur ce petit guide, histoire en fait de vous apprendre juste les bases hein, du nouveau système de combat. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Bah voilà, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Donc je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime ou de commenter cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!